Bah nous sommes de retour en direct de la salle de presse du stade Gaston Petit avec José Pasquale Cline, entraîneur d'Istre. José, vous étiez venu à Châteauroux pour vous relancer, hein, compte tenu de vos derniers matchs en championnat et de votre élimination en Coupe de France. C'est raté malheureusement pour vous. Eh oui, écoutez, c'est raté, vous l'avez dit. Je pense qu'on ne peut pas espérer, grand-chose ce soir vu sur le contenu aussi, même si ça a été un petit peu mieux que Caron, heureusement. Ouais, je pense que c'était la moindre des choses. Mais bon, on a montré un petit peu nos insuffisances qui sont les nôtres depuis un certain temps sur le plan offensif, sur le plan défensif aussi, quand on regarde un petit peu les buts que nous prenons. Mais bon, ça fait partie du jeu. On sait depuis un moment qu'il va falloir qu'on serre les fesses et on va serrer les fesses et attendre des jours meilleurs. Mais enfin, pas les attendre pour que ça arrive, on va faire en sorte que les jours meilleurs arrivent. Là, on va rentrer tranquillement, on n'a que 8 heures de bus, donc c'est bien. Et puis on va se préparer pour un match difficile la semaine prochaine contre Angers. Mais actuellement, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans cette équipe de Istres en ce moment? Parce que vous êtes sur la pente savonneuse, on va dire, même s'il n'y a pas de danger immédiat, bien sûr. Il se passe qu'on a moins d'efficacité sur le plan offensif, on a moins d'efficacité sur le plan défensif. Alors est-ce qu'on s'est relâché parce qu'on s'est vu un petit peu trop beau? C'est fort possible. Je trouve que dans mon équipe, il y a moins de simplicité. Il y a moins de détermination, il va falloir qu'on retrouve tout ça, ça fait un moment qu'on en parle. Après, c'est aussi une prise de conscience individuelle, hein, de la part des joueurs. On a été capable de faire des choses intéressantes parce qu'on est resté dans un cadre, dans un canevas bien précis pendant 3 mois. Dès qu'on sort de ce canevas et de ce cadre précis, on redevient une équipe plus que moyenne. Donc à nous de réfléchir, d'analyser à tout ça. Alors c'est vrai que l'entraîneur est là pour analyser, mais je pense que les joueurs aussi, je pense qu'ils ont un cerveau et il faudra que dans leur cerveau, ce cerveau, ils le fassent travailler. Éventuellement qu'ils revoient certains matchs qu'ils ont fait il y a 3 mois et qu'ils fassent une petite comparaison. Et je pense que vous verrez que la comparaison est vite faite et la solution est vite trouvée parce que j'estime que, encore une fois, on n'a pas de simplicité dans notre jeu, mais on a surtout pas, on a surtout moins de détermination. Et on fait les choses, je dirais, avec un peu plus de nonchalance et un peu plus de facilité. Et nous, on ne peut pas se le permettre. Merci beaucoup, José Pasqualetti. Bon retour en bus. Merci. Alors, hein, 8 heures de... qui est très heureux d'avoir entendu ces gars bien avec le fameux cri de guerre à la fin du match. Lui aussi, il a participé sans doute à ce cri de guerre. Didier Tolo, j'ai envie de vous dire, ouf, enfin, on ne parlera plus de ce 19 octobre. Il ne faut pas s'arrêter, je suis sûr. Là, c'est ce que vous allez me dire. Mais enfin, ça, vous allez savourer cette victoire 2-0 face à Istres. Hein. Ouais, on va la savourer. Ça faisait un moment qu'on l'attendait. Donc, j'ai toujours dit que l'état d'esprit était bon dans ce groupe. Maintenant, il fallait aller chercher autre chose. Voilà, on savait que ce match était important. On savait qu'on était diminué, mais on savait que si on mettait tous le cœur, de l'énergie, en se lâchant un petit peu, ben, on pouvait faire quelque chose. Voilà, on l'a fait et aujourd'hui, on est content, mais il va falloir continuer. On a retrouvé une équipe de la Berrichonne, la digne de ce nom par rapport aux dernières prestations à domicile. Oui, même si le début a été un peu délicat, mais voilà, après, je pense que le but nous a libérés. On a continué à jouer vers l'avant et on a marqué le deuxième but au très bon moment avant la mi-temps. Mais il reste encore du travail, mais je suis content. Il y a les jeunes, il y avait un groupe diminué, mais aussi qui a mis du cœur sur le terrain et en football, c'est important. Vous espérez tout simplement que les têtes soient soignées et que vos joueurs ne s'enflamment pas, c'est facile. Bon, écoutez, déjà on va savourer cette victoire, ça fait longtemps qu'on l'attend. Et puis voilà, aujourd'hui ils sont en train de se décrasser déjà et puis on reprendra l'entraînement lundi, mais voilà, ça prouve à tout le monde qu'il y a un coup à jouer, ça va prouver à tout le monde que personne n'est indispensable. Et que sur le premier but, on a un petit peu la réussite qu'on n'avait pas eu les derniers matchs. Donc je dis que la réussite, il fallait la chercher. Je pense qu'on a été la chercher. Et puis surtout, voilà, j'avais demandé à mes joueurs d'avoir de la fierté, mais pas pour eux. Parce que nous on est dans le bain, nous on est dans le feu de l'action, mais chacun a une famille, chacun a des enfants, chacun a une femme qui se déplace dans Châteauroux et c'est plus agréable qu'on ait le regard sur ces personnes en ayant un regard positif et en ayant l'envie de voir ce qu'on a vu aujourd'hui que d'être 18e ou 19e.
Un petit mot sur deux joueurs concernant l'effectif. Pour le premier, c'est Johan Hocker. Vous le faites rentrer, il ressort immédiatement. Des nouvelles de Johan Hocker? Johan, dès qu'il est rentré, c'est aussi pour ça qu'il n'est pas débuté. Il ne s'est pas entraîné jusqu'à jeudi. Il avait une douleur aux adducteurs. Là, il est rentré et il a ressenti tout de suite la même gêne. Donc, je l'ai ressorti immédiatement. Claudio Beauvu, il y a eu un clash, il n'est pas dans le groupe. Justement, c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce qui s'est passé après ces déclarations chez nos confrères? Non, mais c'est pas une question de déclaration. Je veux dire, Claudio, depuis plus d'une semaine, on parle de lui à Bastia. Il y a une situation avec le club. Je veux dire, moi, aujourd'hui, j'avais besoin, dans ce match important, de joueurs concernés par la Berry. Il ne l'est plus? Vous savez très bien quand un joueur est en instance de départ ou est des velléités de partir, on ne peut pas avoir la tête à un match important. Donc j'ai préféré partir avec des joueurs qui étaient bien présents et qui avaient la tête à ce match. Je pense que Claudio ne l'avait pas. Est-ce qu'il restera à la Berry? C'est ce qu'il a déclaré. Vous le savez, vous? Écoutez, le mercato finit jeudi, donc ça, c'est pas mon souci. Moi, mon souci, c'est le souci sportif. Et moi j'ai pris une décision qu'il ne soit pas dans le groupe parce que j'avais besoin de joueurs et de jeunes joueurs, mais de joueurs pleinement concernés par ce match-là. Et justement, et vos jeunes, ils se sont pas mal débrouillés, hein? Ouais, ils ont mis du cœur. Ils ont mis du cœur, ils ont mis de la volonté, voilà. Et puis on a retrouvé un petit peu de jeu vers l'avant. Et voilà, il y a la rentrée aussi de Romain Sartre, il faut pas l'oublier. Je crois que Romain arrive depuis une semaine, il s'est fondu dans le groupe, il a été important par rapport à son discours. Voilà, c'est quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui a été aussi un petit peu oublié par le milieu. Tout simplement, je vais féliciter les joueurs parce que ce qu'on a fait dans une période difficile, ça prouve qu'on n'a pas forcément la tête dans le seau et qu'on est capable de réagir. Mais il ne faut pas réagir sur un match, il faudra réagir sur beaucoup, beaucoup de matchs. Merci.